soir, nous voulons aussi remercier la ponctualité de certaines personnes qui sont arrivées avant l'heure. On vous remettre un cadeau, c'est une méditation donc, de 40 jours de prière qui s'intitule « Un ruisseau dans les déserts ». Donc je vais inviter Dario Louis, Brigitte Louis, Laurent Noëlette et Jesseline Madion à se mettre debout. Nous allons vous remettre ce petit cadeau, ce petit présent. Donc je laisse les hôtesses rapidement à apporter. J'invite toujours l'équipe du Praise à se mettre en place. Donc c'est un livre que nous vous invitons à vivre comme expérience, 40 jours de prière. Ne le laissez pas sur votre étagère, mais vivez ces 40 jours de prière. Vous en serez bénis, j'en suis sûr. Alors, hier, nous avions quelqu'un que nous avions oublié. Donc je demanderai à Jesseline de rester debout. J'imagine que c'est vous, Jesseline. Donc de rester debout, nous aurons ce livre. Donc, Le meilleur chemin. Donc, que Gladys va vous remettre. Et aussi, aujourd'hui, nous avons un invité qui nous a rejoint encore. Je demanderai à Alain Sébétain de se mettre debout pour qu'on puisse vous remettre ce petit présent. Donc, le livre « Le meilleur chemin ». Donc on est très heureux d'être avec vous et on vous laisse en bonne compagnie avec l'équipe du Praise donc qui va nous conduire dans un moment de louange. Le monde qui définit donne ce seul garçon pour qui tout le monde qui croit dans lui, pas mort, mais gagne la vie éternelle. Pour tout l'amour qui bon Dieu a pour nous, à nous louer lui à travers nos premiers chants. Je suis heureux quand Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Sauvé, sauvé.
toujours. Amen. Tombeau Jésus est vide. Le fait que Jésus est venu sur la terre, il est mort pour nous, nous gagner la vie. Il n'est pas reste mort. Ce tombeau est vide. Qui fait ce tombeau vide? Il dit dans ses paroles, moi-même, la résurrection, moi-même, la vie. Dis moun qui croit en moi pour vivre, même s'il est fin mort. Jésus fin ressuscité. Jésus vivant aujourd'hui. Et ensemble avec l'équipe, nous pouvons dire ensemble, agneau immolé, te digne pour recevoir pouvoir, richesse, la sagesse et la force, l'honneur, la gloire et louange. À Jésus qui mérite toute la gloire, à nous prendre nos prochains chants de tous nos équerres. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité.
pouvez vous asseoir. Alors, on espère que, à travers ces différentes présentations, eh bien, vous expérimentez la joie, la paix et la force de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous avons reçu des nouvelles personnes qui sont arrivées en cours, n'est-ce pas? Nous avons le docteur Deven Pounusamy et madame Nandini Pounusamy. Nous avons aussi monsieur Raj Jiwan. Donc, je sais qu'on a déjà remis les livres au couple Pounusamy. Je demanderai aux hôtesses de bien vouloir remettre le livre à monsieur Raj Jiwan. Si vous pouvez vous mettre debout, on va vous remettre le livre. Voilà. Alors, j'invite toujours Chris et David à nous rejoindre. Alors, à titre de rappel, pour ceux qui nous ont rejoints ce soir, parce que nous avons des nouvelles personnes avec nous, donc Chris est un conférencier qui parcourt le monde, qui est un coach personnel aussi, qui apporte, il essaye d'apporter un peu de plus-value dans la vie des uns et des autres, notamment au travers des leaders dans des grandes entreprises. Donc, nous sommes heureux de t'avoir avec nous, Chris, et nous te laissons la place en priant que le Saint-Esprit continue de te guider ainsi que David à travers ce message. Good evening together. Bonsoir à vous tous. It's good to see you all. Ça me fait plaisir de vous revoir. I'm very happy that you came. Je suis très content de ce que vous êtes venu. And you have a good custom. Et vous avez eu une très bonne habitude. You are always sitting at the same spot. Et vous avez développé une habitude de vous asseoir au même endroit. That helps me to remember you. Et cela me permet de me souvenir de vous. I do the same thing. Je fais la même chose. At the moment, we are eating lunch at the school, and we are always sitting at the same spot. Alors que nous prenons notre petit déjeuner à l'école, nous asseyons au même endroit. So I'm happy you came tonight. Je suis très heureux de ce que vous êtes venu ce soir. And some of you even brought their family members and friends with you. Et certains parmi vous, vous avez emmené les membres de votre famille et certains amis avec vous. I also brought some friends with me. Et moi aussi, j'ai emmené quelques amis avec moi. I didn't come alone to this island. Je ne suis pas venu seul sur cette île. I brought 9 other speakers with me. Et j'ai emmené encore 9 conférenciers avec moi. I called them. Je les ai appelés. And I said, "Do you want to come with me to have an evangelistic meeting?" Lorsque je leur ai appelé, je leur ai demandé ce qu'ils étaient intéressés à m'accompagner pour l'évangélisation. And when I said Mauritius, they all said fast yes. Et quand j'ai dit l'île Maurice, ils ont rapidement répondu oui. So we are very happy to be here on your beautiful paradise island. Nous sommes très heureux d'être sur votre île paradisiaque. It's amazing food. Vous avez des mets succulents. Amazing people. Des gens chaleureux. Amazing nature. La nature qui est agréable. Amazing history. Une histoire merveilleuse. But even more is an amazing future waiting for you. Et ce qui est encore plus, c'est un avenir meilleur qui vous attend. So I'm very happy to be here with you together. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. One of the friends I brought to this island. Parmi les amis que j'ai emmenés avec moi sur l'île. He is from the States. Il est des States or what States? That's a big state of America. Okay. He's from the States. Il est des États-Unis. And he was traveling for 30 hours to come to your island. Il a fait 30 heures de voyage pour venir ici. That's a long way, right? C'est une longue distance, n'est-ce pas? But do you know how old he is? Est-ce que vous savez quel âge il a? He's 82 years old. Il a 82 ans. And he is preaching strongly in the south of your island. Et là, il prêche avec zèle dans le sud de votre île. And today he was telling me his story. He was so happy. Et aujourd'hui, il m'a dit qu'il était très content. A little girl came to him at the evening at the door. Un après-midi, une jeune fille l'a rencontré à la porte. She had hair on the side. Elle avait les cheveux lâchés. And she was big like this. Elle était petite. And she went to my friend. Elle s'est dirigée vers mon ami. And she pulled him down so that he needs to go down. He pulled him down. Yes. Yeah. Not so down. La fille l'a fait s'agenouiller. So he went down. Alors il s'est mis à genoux. And this little girl looked to my friend's eyes, 82 years old. Et là, cette fille l'a regardé droit dans les yeux. And she said,
This was good tonight. Et il lui a dit, c'était super ce soir. Give me more. Donne-moi encore plus. Isn't that cute? N'est-ce pas agréable? I can imagine that a little girl and my old nice friend, 82 years old. Et là, j'aime à penser que mon vieil ami avec une fille de 9 ans. And 2 days ago, my friend, 82 years old, asked the little church he is in. Et 2 days ago. 2 days ago. 2 jours auparavant. He said to his church members, "What happens if each of you brings one person more to the church?" Et là, il a posé la question à l'église, que se passerait-il si chaque membre d'église allait emmener 2 personnes? Somebody you are missing, a friend or family member. Peut-être qu'il vous manque quelqu'un dans cette audience, votre famille ou un ami. And you know what happened yesterday? Et vous savez qu'est-ce qui s'est produit hier? They doubled the visitors. Nous avons eu le nombre des visiteurs ont doublé. They were so tight sitting together. They were tight sitting together. Ils s'asseyaient serrés comme si l'un contre l'autre. So that even the children need to sit on the laps of the children of their parents. Et les enfants devaient s'asseoir sur leurs parents. They are much smaller than you, but they have more visitors than you. Ils sont peu nombreux que vous, mais ils ont beaucoup plus de visiteurs que vous. So I said to my friend, et là j'ai dit à mon ami, you are 82 years old. Tu as 82 ans. What you can do, we can also do, right? Ce que tu fais, nous aussi, nous pouvons le faire, n'est-ce so pas? Let's fill this church. Allons remplir cette église. Let's sit very tight together. Allons nous asseoir, collés, serrés ensemble. Bring your friends and your family members. Emmenez vos membres, vos familles et vos amis. Each person, one person. Une personne. Amen? Amen. Will you do it? Est-ce que vous allez le faire? Can I see your hands? Je peux voir vos mains. Everybody brings one person tomorrow evening. Chacun amène une seule personne avec vous demain. So tonight I got here the notepad. Et ce soir j'ai avec moi le un notepad. And let's see if this works. It's a chat. And I can see the chat. Marche. And we have in the chat some movement. Il y a quelques réactions dans le chat. That's our friends, online friends. C'est nos amis en ligne. We can't put that here, right? You can't see that, right? No, that's not possible yet. But look at that. So let me know, where are you from? Et laissez-moi savoir d'où vous êtes. So let's see. We see some amens here, but that's nice. Nous voyons que quelques amens, c'est agréable. Steven and Florette says amen, and Jacqueline as well. But tell us, where are you from if you are online? I can see it right now. I am connected to you, and let us know where you're from. Et si vous êtes en ligne, dites-moi d'où êtes-vous connecté, parce que je peux vous voir, je peux vous suivre dessus. My chat is silent. Somebody hears me. Personne ne réagit sur le chat. Personne ne m'entend. So we have still an amen. That's good that you say amen, but we need the country, not the amen. Et là, nous avons besoin de savoir le pays, l'endroit, et non pas seulement les amen. So it's coming. Yes, ça arrive. Let's see. My thing voyons is not. Voir. This is not working here. Ah, now we have it. Yeah. We have it from Mauritius. Yeah. We have it from Godlands. Yeah, Goodlands. Goodlands. Then we have it from Saint-Pierre. Saint-Peter. St. Peter. Yeah. Then we have from Rodrigue Islands, Mauritius, yeah. Grand Bay, Flick and Flack. Oh, that's where we live. Yeah. And Bobasson. Bobasson. Yes. Cutepip. Cutepip, yeah. You have friends. Who else? Lina. And we have from India, basically from India. Pune. I have been in Pune. That was the first time I have been invited to come to Mauritius. That was in Pune. Mm-hmm. Let's see what else we have. What's that here? Saint Croix. Holy Cross. That's on the island? Yeah. So we have Mort Rodriguez, Quatrebon, Cassis. Yeah, the fruit. And we have, they're coming from the fruit? No, the fruit name. Ah, and then we have somebody coming from the country of Amen. And yeah. Then we have Tayak. Where is that? In the south. In the south. Then we have Grand Bay, Forest Side. Man, so interesting. So anybody else online? Good. So, Tayak, we put this here. I'm not sure if I always can watch it. Let's see if this doesn't fall down. Let's see. We need a chair or something so we can put it here. Okay. This table gets smaller and smaller. But I would try to see what you're writing, and maybe we can involve you into our sermon.
Et je vais essayer de voir ce que vous êtes en train de mettre sur le chat. Et je vais essayer de vous inclure dans mon sermon. So, 2 days ago, we had little decision cards. 2 jours de cela, on vous a remis une carte que vous deviez cocher les décisions à prendre. And on the decision cards, we had 5 people who wrote down their names who want to be prepared for baptism. Et nous avons eu 5 personnes qui, dont ceux qui ont écrit leur nom, ils ont manifesté le souhait de se faire baptiser et de se faire préparer. So I want to congratulate for your decision. Et j'aimerais vous féliciter pour la décision que vous avez prise. That's wonderful. C'est merveilleux. So Pastor Wesley told me that he will contact you soon, so have a little chat with you. Pasteur Wesley m'a informé qu'il allait bientôt vous rencontrer pour pouvoir avoir une conversation avec vous. To make a decision for the Lord is the best decision you can ever make. Prendre position pour le Seigneur, c'est la meilleure chose à faire. You know, we have been studying together the last days. Vous savez, nous avons étudié ensemble ces quelques derniers jours. And I'm very happy that it doesn't stop on Saturday morning. Et je suis très heureux que cela ne va pas s'arrêter le samedi matin. Because next weekend, parce que le week-end prochain, we will continue studying on Friday, Saturday morning and Saturday evening. Nous allons continuer à étudier à partir du vendredi soir, le samedi matin et le samedi après-midi. And then we will study again 1 week later on Friday evening, Saturday morning, and Saturday evening. Et la semaine suivante, nous allons étudier encore le vendredi, le samedi matin et le samedi après-midi. So we are not stopping on this Saturday morning. Et nous allons pas terminer ce samedi matin. We continue to study the Word of God. Nous allons continuer à étudier la parole de Dieu. Are you happy about that? Est-ce que vous êtes content de cela? Yes, I see that your smile already on your faces. Oui, je vois déjà votre sourire aux lèvres. I am also so happy. Et moi de même, je suis très content. So I hope this never stops. Et je souhaite que cela ne s'arrête jamais. Look, yesterday we studied together one of the biggest dangers. Et hier, nous avons étudié ensemble, nous avons vu les grands dangers of the end of time before Jesus is coming. Des signes des temps avant que Jésus ne revienne. It's not the war. Ce n'est pas les guerres. It's not famine. Ce n'est pas la famine. It's not earthquakes. Ce n'est pas les tremblements de terre. What is the most dangerous thing? Et quelle est la chose la plus dangereuse? Tell me. Dites-le-moi. What did we study yesterday? Qu'avons-nous étudié hier? That's quite good, but a bit louder. C'est bien, mais dites-le un peu plus fort. Oui, c'est... false prophet and no, that's not that. Yeah, that's a danger, but not the most biggest danger. Oui, c'est un danger, mais ce n'est pas le danger la plus importante. The people online can also write it inside. I can see it here. What is the biggest danger we studied yesterday in Matthew 24? Qu'avons-nous vu dans Matthieu 24? Lack of faith. That's not the biggest danger. That's a danger, but look, Matthew 24. What did we study yesterday? Qu'avons-nous étudié dans Matthieu 24 hier? We are searching now. Okay. What does it say here? Les chrétiens déguisés. Vos fake Christian. Fake Christianity is a danger. But it's not the biggest danger. It's a danger. It's a danger. It's a danger. But yesterday, I really tried to emphasize. So it's good to ask you, what's the biggest danger? Let's see what else we have here. You have the lack of love. The lack of love. That was the biggest danger. Do you remember? Et c'était ça le plus grand danger, le manque d'amour, vous vous souvenez? So that was Shirley, who said the right answer. Yeah, and then you have this one. To be cooled down. Yes, so Marie, Jenny, you are right. You are absolutely right. This is the biggest danger. There are dangers of war and famine and earthquakes. Il y a les dangers de la famine, la guerre et les tremblements de terre. Mais le manque d'amour et le refroidissement, c'est le plus grand danger. There is danger of wrong prophets. Il y a le danger des faux prophètes. The first thing what Jesus says, look that nobody can deceive you. Et là, Jésus nous a mis en garde afin que personne ne nous déçoive. But the biggest danger, what Jesus says, is the
the cooling down of your love. Et là, le plus grand danger dont Jésus nous a mis en garde, c'est l'amour qui diminue en nous. Because if you have been carefully watching the last days, et si vous avez été attentif ces derniers jours, everything depends on the love of Jesus in your heart. Toute chose dépend de l'amour de Jésus en vos cœurs. You cannot keep the Ten Commandments holy if God is not putting His love into your heart. Vous ne pouvez garder les 10 commandements si Dieu n'a pas mis son amour dans votre cœur. Only through His love you can love others, and only through His love you can love God. Et seulement à travers son amour que nous arriverons à aimer notre prochain et aussi aimer Dieu. So if the devil manages to cool you down, he knows he is successful. Et si le diable arrive à vous faire cool down, à vous tiédir, à diminuer l'amour que vous portez en vous, c'est qu'il a réussi dans sa mission. Do you understand? Est-ce que vous comprenez cela? That's why the devil tries to surround you by wicked people. Et là, le diable cherchera à vous encercler, vous entourer des gens mauvaises. Because he knows, as we are surrounded, it doesn't take long that we are accepting the surrounding. Et le sait très bien, aussi longtemps que nous sommes envahis par ces gens, cela veut dire aussi que nous allons l'accepter. And then there's no urgency. Il n'y a pas d'urgence. Why should we do it? Pourquoi nous devons le faire? We have our own rules. Nous avons nos propres racines. We have a different focus. Nous avons une vision différente. People are only focusing on administration. Les gens se concentrent que sur l'administration. Rules become more important than people. Les règles deviennent plus importantes que les gens. We are not visiting people anymore. Nous n'allons plus visiter les gens. Nous n'allons plus faire des visites. Not the poor ones, not the rich ones. Mais pas les pauvres, mais les riches plutôt. We don't see the abandoned people anymore. Nous ne voyons plus les gens abandonnés. We are not going to the prisoners. Nous n'allons plus vers les prisonniers. And our worship becomes very dry. Et notre adoration devient quelque chose de sec et inactif. Yeah, inactive, dry. So, dry is dry, very dry. Sec. Yes. So, if you read in the Bible in Acts, et si vous lisez dans la Bible dans les livres des Actes, you will see a very, very active church. Vous allez découvrir une église vraiment très active. They are not sleeping. Ils ne sont pas en train de dormir. The church in Acts is a very strong church. L'église dans les Actes des Apôtres, c'est une église vivante et forte. They are active. Ils sont actifs. They are meeting every day. Ils se rencontrent chaque jour. They are praying. Ils sont en train de prier. They are singing like you. Ils sont en train de chanter comme vous. They are studying. Ils sont en train d'étudier. They are sharing. Ils sont en train de partager. They are helping. Ils sont en train d'aider. They are increasing in numbers. Ils sont en train de croître en nombre. They are loving. Ils sont remplis d'amour. They are baptizing. Ils sont en train de baptiser les gens. They are making disciples. Ils sont en train de faire des disciples. And I could continue until midnight. Et je peux ainsi continuer jusqu'à minuit. Because this is the church you will find in Acts. Et cela, c'est l'église que vous allez trouver dans les Actes. Do you see the big difference to today? Est-ce que vous voyez la différence avec celle d'aujourd'hui? But why? Mais pourquoi? Because the love is cooling down in our hearts. Parce que l'amour se refroidit en nos cœurs. We don't want to see us so much more anymore. Et nous ne voyons pas assez souvent. We don't think that encouragement is so important. Nous ne pensons pas que l'encouragement est une chose importante. And the church is getting slower and slower and slower and slower. Et l'église commence à ralentir et diminuer doucement, lentement. And then there's silence. And then they remain silent. There's silence. Et puis il y a le silence. And if there's silence, yeah, you can sleep. Et là, vous commencez à dormir. Deeply. Profondément. But that's not the Church of Acts. Et ce n'est pas une église. The Church of Acts is unstoppable. Ce n'est pas l'église des Actes des Apôtres. L'église était
quelque chose de, qui continuait. Nobody can stop this church in Acts. Personne ne pouvait arrêter ces églises dans l'Acte des Apôtres. Each member of the church in Acts is a living fountain. Et là, chaque membre des églises était une fontaine vivante. Jesus said, if you have me and the Spirit in you, et Jésus va dire, si vous m'avez et l'Esprit en vous, there will be rivers of living water coming out of you. Il y aura des sources d'eau qui jaillira en vous. Isn't that amazing? N'est-ce pas merveilleux? So Jesus describes the cooling down of love in Matthew 24 as the most dangerous thing. Et là, Jésus va décrire l'effet que l'amour diminue en nous dans Matthieu 24. C'est quelque chose de vraiment dangereux. You know, there are little ants. Et vous savez, il y a quelques petites fourmis. Petites fourmis. Il y a petites. Yeah, that sounds cute. And this little petite fourmi. Little ants. Yes. They are going down. Ils descendent. And then they sleep. Et puis ils s'endorment. During the winter. Pendant l'hiver. Not everyone, but there are certain ants. They are going down and they sleep down there. Et pas tous les fourmis, certains d'entre eux descendent et vont se coucher. They are making a winter sleep. Ils sont en train de faire une hibernation, comme c'est winter sleep. Ils sont en train de se reposer en hiver. And then, after the winter, et après l'hiver, as the spring is coming, alors que l'automne arrive, one ant wakes up. Un des fourmis se réveille. And this one goes up. Et une des fourmis qui grimpe. And then it lays down in the sun. Et là, elle se met au soleil. Warms the body up. Et se réchauffe le corps. It's good to have so much sun after the winter time. C'est agréable de prendre un bain de soleil après l'hiver. And you can see the big smile on the ant. Et vous pouvez voir l'or sourire sur la fourmi. Maybe he puts even a sunglass on it. I don't know, some coconut. Peut-être qu'il a mis ses verres de soleil et avec les noix de coco également. But after that he was taking all the sun. Après, pendant qu'il était en train de se bronzer, this little ant goes down. Et la fourmi descendit. And you know what it does? Et vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? It hugs another ant. Elle a serré une autre fourmi. And with the warmness of the sun of his body. Et la chaleur de son corps à travers le soleil. He wakes up a second ant. Elle a réveillé une deuxième fourmi. And now two of them are going up. Et maintenant deux d'entre elles sont montées. And they're taking a sun bath. Ils sont en train de se bronzer sous le soleil. And after a while, et après quelques temps, these two going down again. Les deux redescendent encore. And these two are hugging two other ones. Et là, les deux sont en train de serrer deux autres fourmis. And they are warming up and they're waking up. Et alors qu'ils sont en train de réchauffer les autres, ils se réveillent également. And now four of them are going up. Et maintenant, c'est quatre d'entre elles qui montent. And four are taking a sun bath. Et là, les quatre sont en train de prendre un bain de soleil. And then these four are going down. Et ils redescendent encore. And these four are hugging four other ones. Et ces quatre fourmis serrent four et quatre autres fourmis. And now eight are going up. Maintenant, c'est huit fourmis qui montent. And these eight are taking a sun bath. Et ces huit qui prennent un bain de soleil. And they're going down. Et lorsqu'ils redescendent, 16 are going up. 16 sont en train de monter. And then they are going up with 32. Et là, ils remontent encore avec 32. 64. 64. 120 something. 128, et ça continue. But you understand? Est-ce que vous pouvez comprendre? This is how the early church was growing. Et c'était c'est la façon dont laquelle l'église primitive grandissait. Amen. Amen. What about today? Qu'en est-il d'aujourd'hui? Why are we not growing? Pourquoi est-ce qu'on ne grandit pas? On n'est pas en train de croître. Did we lose the love of God in our hearts? Est-ce que nous avons perdu l'amour de Dieu dans nos cœurs? I tell you something. Je vais vous dire une chose. I worked in Switzerland and in Austria and in Denmark and different other countries, also in the States. Et j'ai travaillé dans quelques pays dont la Suisse et la Nouvelle-Zélande, si je ne me trompe pas, en Autriche. And nobody, nowhere, it's so easy than in Mauritius. Et, repeat, please.
Only in Mauritius, it's so easy. Et seulement à Maurice que les choses sont tellement simples. You're living in paradise. Vous êtes en train de vivre dans un paradis. If you go to Switzerland or Austria, or Germany, you have to knock at 10 doors and 9 will say no, 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 no. Et si vous êtes en Suisse, et que ce soit en Nouvelle-Zélande ou en Autriche, vous frappez aux portes, 9 personnes vous diront non, 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 non. I got it, the translation? Yes, yeah, somehow. Okay. So, do you understand what I mean? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? And here, the people are so friendly, so open. Et ici, les gens sont si chaleureux, ils sont amicaux. This beautiful book, when I go shopping, I give it to everyone. Et ce livre, alors que j'étais en train de faire mon shopping, je l'ai donné à tout le monde. And each religion is accepting the book. Et chaque religion est en train d'accepter ce livre. And on the spot they start reading it. Et ils ont commencé à le lire sur le champ. It's beautiful. You are in paradise. C'est magnifique, vous êtes au paradis. The only thing is that you need a bit more love of God in your heart. Mais la seule chose, il vous faut plus d'amour de Dieu dans vos vies. And today, tonight, we would like to study the secrets how you can grow. Et là ce soir nous avons étudié le secret dans lequel nous pouvons grandir. Let's read John chapter 1 verse 12 and 13. Allons lire dans Jean 1er verset 12 à 13. Yes, you can read it. Je vais le lire, Jean 1er 12 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. So what is the secret? Alors, quel est le secret? Where does Jesus need to be? Où est-ce que Jésus doit être présent? Tell me. Dites-le-moi. Let's see what the online says, but tell me also, where does Jesus need to be? Dites-le-moi, où est-ce que Jésus doit habiter? I cannot translate as here. Let's see what it say here. Nothing. So where does Jesus need to be? Où est-ce que Jésus doit habiter? In the heart. Dans nos cœurs. Right? N'est-ce pas? In Revelation, when it talks about Laodicea, a representative for the last church, where is Jesus standing? Et dans l'Apocalypse, il nous dit, when Jesus was what? Please repeat, I did not hear. In the Revelation, where is Jesus standing? Laodicea is the representative of the last church on earth. Where is Jesus standing? Et dans l'Apocalypse, qui nous parle de la Laodicée, il nous demande où est-ce que Jésus se tenait. Somebody said door. Quelqu'un a dit la porte. Yeah, here. Au centre de mon cœur. That's in our heart. Jesus needs to be in our heart. That's right, Michelle. Yeah. You're very good. And also, Pacelli, you said also in the heart. But if you look to Revelation, Jesus is standing outside the door. Et là, si vous regardez dans l'Apocalypse, Jésus est à la porte. What does it mean? Qu'est-ce que cela veut dire? That the most churches, que la plupart des églises, even they are worshiping together, alors qu'ils adorent ensemble, Jesus is outside. Jésus est dehors. Can you imagine? Est-ce que vous pouvez imaginer cela? We are worshiping inside. Nous sommes en train d'adorer à l'intérieur. And Jesus is knocking outside. Et Jésus frappe à la porte. Il est dehors, il frappe à la porte. And he says, "Can I come in?" Et là, il dit, est-ce que je peux and entrer? And we are singing and praising God. Et là, nous sommes en train de chanter, de louer le Seigneur. And he's knocking outside. Et il continue à frapper dehors. Can you imagine? Est-ce que vous pouvez penser à cela? This is what Revelation tells us as for the last churches living on this earth. Et là, ce que l'Apocalypse nous dit, il décrit les dernières églises sur cette terre. So what do we need to do? Qu'est-ce que nous devons faire? Tell me. Dites-le-moi. What do we need to do? Qu'est-ce que nous devons faire? You're right, Anum. We need to ouvrir notre porte. We need to open, right? We need to. Don't laugh about my French. Nous devons ouvrir notre porte. But we need to open, right?
So each church member, each visitor, what do you need to do? Qu'est-ce que vous devez faire? Open wide your heart for Jesus. Ouvrez grand vos cœurs et faites de la place pour Jésus. And John 1 verse 12 to 13 says that we can become children of God as Jesus comes inside. Et là, dans Jean 1er 12 13, il nous dit que nous pouvons devenir à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. David is tired today. Okay, so let's go on and see. If the Bible says, et si la Bible nous le dit, you are not born of yourself. Vous n'êtes pas né par vous-même. Not of your own will. Vous n'avez ni de votre propre volonté. Not of your flesh. Pas de votre propre chair. You are not born out of your own will. Vous n'êtes pas né avec votre propre volonté. And that's quite interesting, isn't it? Et cela est encore plus intéressant, n'est-ce pas? Many of you said, I want to be a Christian. Et parce que certains d'entre vous diront, many je veux you, être un chrétien. Many of you want, has a will to become a Christian. Beaucoup d'entre vous ont la volonté d'être un chrétien. But can you be a Christian out of your own will? Est-ce que vous pouvez être un chrétien de votre propre volonté? Yes. Oui. Non. Non. No, it's impossible. Non, c'est impossible. You can say to God, I want to be a Christian. Vous pouvez dire à Dieu que je veux être un chrétien. But the miracle only God is doing. Et le miracle, c'est seulement Dieu qui l'accomplit. You understand? Est-ce que vous le comprenez? That's very interesting. C'est vraiment intéressant. Because this morning I was talking to 800 students. Parce que ce matin, je me suis adressé à 800 élèves. And when I was talking about that point, what I'm talking now, we had one helicopter coming, a second helicopter coming, a third helicopter coming, five helicopters around us. Et là, lorsque je parlais sur ce point, il y a eu au moins 5 hélicoptères qui nous ont survolés. And it was so loud that they could not hear me anymore. Et ça faisait tellement du bruit qu'ils ne m'entendaient plus. But do you see how important the message is? Et vous voyez comment c'est important le message? You need to be born again. Vous devez renaître de nouveau. But out of the spirit. Mais de l'esprit. Not out of your flesh. Non pas de la chair. You can't force it. Vous ne pouvez pas la forcer. It's not a one-time event. C'est pas un événement isolé, une seule fois. Every day you need to go to Jesus and say, please, Jesus. Chaque jour, vous devez vous rendre vers Jésus et lui dire, s'il te plaît, Jésus. Change me. Change-moi. Make me new. Fais-moi renaître. I want to be born again. Je veux renaître de nouveau. As I'm traveling around the whole globe, alors que je voyage à travers le monde, in every country, I see the same problem. Et je vois le même problème dans chaque pays. People sitting in the churches. Les gens qui s'assoient dans l'église. And also in the offices. Dans les bureaux. And they're not born again. Ils ne renaissent pas de nouveau. They are lukewarm. Ils sont tièdes. They are not cold. Ils sont pas froids. But they are not hot. Mais ils sont pas bouillants non plus. You know what I mean? Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire? Very neutral. Ils sont tellement neutres. They talk about the love of God. Ils parlent de l'amour de Jésus. You know what I mean? Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire? God wants to warm up your heart. Dieu veut réchauffer vos cœurs. Cool, not good. Cool is not good. Froid n'est pas bon. Lukewarm is ugly. Tiède, c'est désagréable. I don't like lukewarm. J'aime pas le tiède. I like cold. J'aime le froid. I like warm. J'aime le chaud. But I don't like lukewarm. Mais j'aime pas le tiède. But I like warm churches. Mais j'aime les églises bouillantes. I like hot churches. Les églises qui sont bouillantes. I like churches on fire. J'aime l'église qui sont, je dirais pas sur le feu. Fire. But qui sont en feu. You understand? Vous comprenez ce qu'il veut dire? One day I have been giving Bible study from somebody from Colombia, from South America. Un jour, je donnais des études bibliques à quelqu'un en Colombie, au Sud Amérique. Yes, Sud Amérique. Yeah. That's nice. And she said that on Monday evening. Et là, elle m'a dit que les lundis après-midi. Not Saturday, not Sunday, Monday evening. Et pas samedi, mais lundi après-midi. 400 members of the church
came together to pray 1 hour on their knees. Et là, elle m'a dit que 400 membres d'église sont venus prier à l'église pendant une heure. Have you ever experienced that? 400 church members on their knees? Et là, vous pouvez imaginez 400 membres d'église sur leurs genoux. As churches are invited to pray, then maybe 4, 5, 6, 7, maybe 10 are coming together. Et là, à l'église, quand nous avons des sessions de prière, peut-être il y a 4, 5, 6 ou 7 personnes qui viennent et prient ensemble. Jesus says, "My house will be called a Bethel, a prayer house." Et là, Jésus va dire, ma maison sera appelée Bethel, une maison de prière. And many Christians are not ready to pray in the prayer house. Et là, beaucoup de chrétiens ne sont pas réellement prêts pour faire la prière dans l'église. But the question is why? Et la question est pourquoi? Because we are missing the Spirit. Parce que nous n'avons pas l'esprit. We need to be born again. Nous devons renaître de nouveau. Not out of our own will. Non pas de notre propre volonté. Not out of our own blood. Non pas de notre propre sang. But because Jesus is in us. Parce que Jésus est en nous, habite en nous. He sends his Spirit. Il est avec son esprit. And then you are not the same anymore. Et vous n'êtes plus le même. When I was 14 years old, quand j'avais 14 ans, my pastor of the church, le pasteur de mon église, he said, "Chris, could you make a little sermon?" Et là, m'a dit, Chris, est-ce que tu peux faire une courte méditation? Méditation. Sermon. Yes. 20 minutes. 20 minutes. I said, "Okay." Je dis, "Okay, il y a pas de problème." He was standing here. Il se mettait là où je suis. His name was Michael. Son nom était Michael. I was standing here. Et moi, j'étais debout. He was preaching. Il était en train de prêcher. And I was shaking. Et là, j'étais en train de trembler. You know, we had a pulpit which was closed. Et là, vous savez, il y avait la chaire là qui était fermée. You could not see my knees, but they were shaking like this. Vous pouviez pas voir mes genoux, mais ils claquaient. I never experienced that before. Et je ne l'ai jamais expérimenté avant. My heart was beating. Mon cœur battait à la chamade. I was so afraid. J'avais tellement peur. I thought, man, I will fall down and everybody will laugh at me. Et là, je pensais que j'allais m'évanouir et que tout le monde allait se moquer de moi. I thought that the legs will not hold me anymore. Et je pensais que mes jambes n'allaient plus me tenir. It was so terrible, I tell you. Et c'était vraiment terrible, laissez-moi vous dire. I hardly survived. Et j'ai survécu. I went down. I said, "I will never do that again." Et là, lorsque je suis descendu, je me suis dit que j'allais plus le refaire encore. And here I am. Et là, je suis devant vous. Preaching to you. Je suis en train de prêcher devant vous. I preach to more than 130,000 people. Et là, je prêche à plus de 130,000. 130,000, excusez-moi, de gens. But why? Mais pourquoi? Because the Spirit, parce que l'esprit, helps me to share the gospel. M'aide à partager l'évangile. Amen. Amen. When I was young, mais quand j'étais jeune, and somebody came to visit us, quelqu'un est venu nous visiter. I was so shy. I was going under the table where you eat, so that nobody can see me. Et quand les gens venaient nous visiter, tellement j'étais timide, j'allais me réfugier, me cacher sous le lit. But the miracle of God is happening through the Holy Spirit. Et les miracles que Dieu opère des miracles à travers l'Esprit Saint. You need to be born again. Vous devez renaître de nouveau. That was the question of Nicodemus. Et c'est là la question de Nicodème. How? Comment? How? Comment? Comment can I be born again? Comment est-ce que je peux renaître de nouveau? And Jesus says in John 12, 32. Et Jésus dira dans Jean 12, verset 32. He says, "When I am lifted up from the earth, I will draw all people to myself." Quand je serai élevé au-dessus des cieux, j'attirerai les gens vers moi. So what is Jesus talking about in John 12, 32? He is talking about his death on the cross. Et qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire dans Jean 12? Il parle de sa mort sur la croix. The miracle of newborn is happening at the cross.
Le miracle de renaître de nouveau, cela se produit à la croix. As you look to Jesus as he's hanging on the cross for your sins to save you. Alors que vous regardez que lorsque Jésus est accroché à la croix pour à cause de vos péchés pour vous sauver. That's the moment when newborn can happen. Et là c'est le moment où la renaissance peut se produire. In Revelation 1:18, Jesus says. Dans Apocalypse 18. 1 verse 18. Apocalypse 1, verset 18. He says, I am he who lives and was dead. Et je suis celui qui vit. And behold, I live forevermore. Let me see the text. And I have the keys of the Hades and of the death. So let's read that in French. Yeah. Revelation chapter 1, verse 18. Sorry. Verse 18. Et le vivant... J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. So who has the keys for the death? Qui c'est qui détient la clé du séjour des morts? The one who died and resurrected again, right? C'est celui qui est mort et qui est ressuscité, n'est-ce pas? The one who will live forever. Et celui qui vit pour les siècles des siècles. He has the keys. Il a les clés, il détient les clés. And I have a question, if he can wake you up from the dead body, can he also wake you up from your spiritual deathness? Et là, la question que, dont je vous pose, s'il a le pouvoir de vous réveiller de la mort, est-ce qu'il a aussi le pouvoir de réveiller votre sommeil spirituel? Look. Regardez. If you don't have interest in reading the Bible, si vous ne portez pas d'intérêt à lire la Bible, Jesus has the key. Jésus a la clé. For your heart. La clé pour ouvrir vos cœurs. He can open your heart. Il peut ouvrir vos cœurs. And then you get the desire to read more. Et là vous aurez du désir à lire encore plus. Look. If you like TV, Insta, Facebook more than reading the Bible, Jesus can change that. Si vous aimez Instagram, la télévision plus que la Bible, Jésus peut aussi le changer. Look. Regardons ensemble. If you are watching more YouTube than your Bible, Jesus can change that. Si vous êtes en train de visionner YouTube plus que votre Bible, Jésus peut le changer également. Look. Regardez. If you are unfaithful to your wife, Jesus can change that. Si vous êtes infidèle à votre épouse, Jésus peut également changer la donne. If you're living in sin, si vous vivez dans le péché, look, attention, he can change that. Il peut aussi la changer. Because he has the keys for your heart. Parce qu'il détient les clés de votre cœur. But the only thing he needs is a permission from you. Et la seule chose dont il a besoin, c'est votre permission. He is not a robbery. Ce n'est pas un voleur. He is a gentleman. Il est quelqu'un de gentil. He only comes with the key if you call him to come. Il vient simplement avec la clé si vous lui demandez de venir. If you would like to have him to repair your heart, ask him tonight. Et si vous voulez qu'il répare vos cœurs, demandez-lui ce soir. Genesis 2 verse 7. Genèse 2 verset 7. We go at the right at the beginning of the Bible. Nous allons au tout début de la Bible. If you look inside, you can read that the Lord formed Adam. Et là, nous pouvons voir que l'Éternel a formé l'homme, Adam. And he is taking dust of the ground. Et là, il prend de la poussière pour former l'homme. So he makes him. He makes Adam. Et là, il est en train de fabriquer Adam. Fabriquer, yes. And what is then God doing? Et qu'est-ce que Dieu est en train de faire également? He is bounding over Adam. Il se penche vers Adam. And what is he then doing? Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? What does the Bible say? Que nous dit la Bible? Read the Bible again. OK, verse 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Was it soufflé? Yes. Yes. Is that soufflé? Yeah. Ah, I got it. You Two got weeks it. More, I understand you better. So God is soufflé into Adam, yes? Et là, Dieu est en train de souffler sur Adam, n'est-ce pas? The lips of God.
les lèvres de Dieu to the nose of Adam. Vers les narines d'Adam. That must look very funny. Et cela doit être vraiment très drôle. So, I don't know how long the nose of Adam was. Je ne sais pas quelle est la longueur du nez qui était le nez d'Adam. But he takes it. Mais il l'a prise. Into his mouth. Il l'a mis dans sa bouche. Sometimes I see people like eating like this. Et là, des fois, je vois les gens manger comme ceci. But he's taking the nose. Et là, il a pris le nez. And then. Et le cœur commence à battre. Can you imagine? Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Adam is laying there. Adam était là allongé. He gets life in him. La vie qui est entrée en lui. And the first thing is his creator. Et la première chose dont il a vu son créateur. Isn't that beautiful? N'est-ce pas magnifique cela, merveilleux? Wow. And then he stands up. Et là, il s'est mis debout. And he looks around. Et il commence à regarder autour de lui. And he can't believe it. Et il ne pouvait pas y croire. It's so beautiful, like in Mauritius. C'était aussi merveilleux qu'à l'île Maurice. But without sin, without sickness. Mais sans le péché, sans la maladie. Without death. Sans la mort. So beautiful. Et c'était vraiment joli. Merveilleux. Do you understand the miracle of God? Est-ce que vous pouvez comprendre les miracles de Dieu? We also need this. In our lives. Nous avons besoin aussi de ce souffle dans nos vies. In John 20, 22, dans Jean 20, le verset 22, we see that Jesus is making this. Nous voyons que Jésus est en train de faire ceci. Jesus, 20, 22, Jesus is breathing to the disciples. Et Jésus est en train de souffler sur les disciples. Have you read that? Vous avez lu 20:22? Yes. It says in John 20:22, he says he was breathing to the disciples. Il nous dit que après ces paroles, il souffla sur eux, il soufflait sur les disciples. And he said, "Receive." Et dont ils recevaient le Saint-Esprit. Yes, the Saint-Esprit. So receive the Holy Spirit. Et là, vous recevez le Saint-Esprit. Did Adam need the breath of God? Est-ce que Adam avait besoin du souffle de Dieu? Yes. Oui. Oh yes. Oui. Did the disciples need the breath? Les disciples of Jesus? Ils avaient besoin du souffle de Jésus. Yes. Oui. They needed. Ils avaient besoin. If Adam needed it. Si Adam l'a eu besoin. And the disciples needed it. Les disciples l'ont eu besoin. Do you need it? Est-ce que vous en avez besoin? Yes. Oui. I think I need it. Je pense que moi j'en ai besoin. Because it makes a change. Parce que cela établit un changement. He says, "Receive the Holy Spirit." Vous recevez l'Esprit Saint. Wow! I need Jesus breathing on me. J'ai besoin que Jésus souffle et respire sur moi. There are so many flesh Christians. Nous avons plein de chrétiens selon la chair. There are so many Christians out of their own blood. Et il y en a plein de chrétiens dont de leur propre sang. There are so many Christians out of their own will. Il y en a plein de chrétiens qui font leur propre volonté. And because of that, we have so many fights. À cause de cela, nous avons plein de querelles. So many arguments. Plein de discussions. So many nonsense, time-assuming talks. Plein de pertes de temps à débattre sur les choses inutiles. But what we need today. Mais ce que nous avons besoin aujourd'hui. Is Christ-born-filled spirit Christians. Et c'est les chrétiens qui sont renés de nouveau, remplis de l'esprit. Amen. Amen. But look at that. Voyons cela. I have a question to you. Une autre question pour vous. Did you leave the church? Avez-vous déjà quitté l'église? Did you turn your back to Jesus? Avez-vous tourné le dos à Jésus? Have you been living in sin? Est-ce que vous êtes en train de vivre dans le péché? Or maybe you didn't leave church, but you have been inside the church, but only playing church. Et peut-être que lorsque vous avez quitté l'église, vous étiez ici, mais simplement vous étiez là pour jouer
You have been playing to be religious. Vous avez essayé d'être religieux. I have a question to you. J'ai une question pour vous. Do you need to be baptized back into Jesus? Est-ce que vous avez besoin d'être rebaptisé en Jésus? Some of us need to be baptized again. Certains parmi nous ont besoin d'être rebaptisés. Some of us need a new start today. Certains ont besoin d'un nouveau départ aujourd'hui. But not out of flesh. Mais pas tous les chairs. Not out of works. Non, excusez-moi, pas de la chair, mais pas à travers les œuvres. But we need Jesus today. Mais nous avons besoin de Jésus aujourd'hui. Let's read with me Acts chapter 19. Voyons ensemble dans Actes chapitre 19. Let's read David chapter 1 and 2. Verse 1 and 2. Yes, Acts chapter 19 verse 1 and 2. Acte 19 verset 1 et 2. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit : Avez-vous reçu le Saint-Esprit ? Quand l'avez-vous cru ? Ils lui répondirent : Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Did you receive the Holy Spirit ? Avez-vous reçu l'Esprit Saint ? When you believed ? Lorsque vous avez cru ? And they said, no. Et là, ils ont dit non. We not have even heard about that. Nous n'avons même pas entendu parler de l'Esprit Saint. You have to understand. Vous devez comprendre. A newborn of God is more than only water. Celui qui renaît de nouveau, il renaît. It's more than only water. C'est simplement plus que l'eau. A newborn is water plus spirit. Ok, je crois que j'ai compris qu'est-ce qu'il veut dire. Un nouveau-né, lorsqu'on le baptise, on le baptise qu'avec de l'eau. Mais, excusez-moi. Shall I repeat? Please, okay. Repeat, please. So, a newborn is more than only water. Un nouveau-né, on le baptise qu'avec de l'eau. It's water plus spirit. C'est de l'eau plus le Saint-Esprit. You understand? Vous comprenez? So, let's look to Maria. Allons voir ce qu'a fait Marie. Maria got pregnant. Marie tomba enceinte. But not by Joseph. Mais pas à travers Joseph. It was the Spirit. C'était l'Esprit Saint. What's the outcome? Qu'est-ce qui s'est produit? Jesus. Jésus. Maria. Marie. Plus Spirit. Plus Esprit. Equals Jesus. Est égal Jésus. You understand? Vous comprenez? That's a miracle. C'est un miracle. Absolutely miracle. C'est un miracle absolu. So now look to you. Maintenant, regardez à vous. You, vous, plus spirit, plus esprit, equals, qu'est-ce que ça donne? Christians. Ça donne des chrétiens. You understand? Vous comprenez? That's a miracle. C'est un miracle. That's the miracle God wants to see in you. C'est le miracle que Dieu veut voir en vous. And look in Acts chapter 19, verse 3. Et nous voyons ce qu'il y a dans Actes 19, verset 3. He says, What basics did you have as you have been baptized? Il leur dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? And they say, oh, we have been baptized on the basic of John the Baptist. Et ils répondirent, du baptême de Jean le Baptiste. And he says, look, John the Baptist was baptizing because of repentance. Et Jean baptisait pour la repentance. And look in verse 5, as they heard that, they have been baptized on the name of Jesus Christ. Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. So they had been baptized. They have been baptized. Ils ont été baptisés. But because they have been baptized only for repentance, ils ont été baptisés que pour la repentance. They needed to be baptized again on the name of Jesus Christ. Ils ont dû être rebaptisés encore une fois au nom de Jésus. Because John the Baptist was a great preacher, but he could not save anybody. Jean le Baptiste, c'était un grand prédicateur, mais il ne pouvait sauver les autres. So they needed a second baptism. Il devait un deuxième baptême. And when they understood the salvation of Jesus Christ, lorsqu'ils ont compris le salut qu'offrait Jésus-Christ, they went again into the water. Ils se sont rebaptisés. They have been baptized again. Ils se sont rebaptisés Some encore une fois. Some people think you cannot be baptized a second time. Certains diront qu'on ne peut pas se baptiser une deuxième fois. But the Bible says, oh yes, you can be baptized again. Et la Bible nous dit qu'on peut se faire rebaptiser. There are different reasons you should be baptized again. Il y a plusieurs raisons dont vous devez vous faire rebaptiser. If you have been baptized as a child, you must be baptized again.
Et si vous avez été baptisé étant enfant, vous devez vous faire baptiser encore une fois. If you have been baptized but you didn't know the truth, but now you know the whole truth, you need to be baptized again. Mais si vous avez été baptisé, vous n'avez pas connu la vérité complète, vous devez vous faire baptiser également. If you have been baptized but you haven't lived with the Holy Spirit, you need to be baptized again. Si vous avez été baptisé mais vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, vous devez vous faire rebaptiser encore une fois. If you have been baptized and you left the church, you went into the world and you come back, you need to be baptized again. Et si vous avez été baptisé et que vous avez quitté l'église et vous êtes revenu, vous devez vous faire rebaptiser encore une fois. Baptism is not a shame, but a victory. Le baptême n'est pas une honte, mais une victoire. It's one of the most beautiful things in life next to marriage. C'est la chose la plus merveilleuse à côté du mariage. And look at that in verse 6 and verse 7. What? And Paul put his hands on them, and the Holy Spirit came upon them. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Many get baptized today. Certains se font, plusieurs se font baptiser de nos jours. But they're not even praying for the Holy Spirit. Mais ils ne prient pas pour recevoir le Saint-Esprit. If you study all the Bible verses where there is baptism, et si vous étudiez à travers la Bible où il y a eu des baptêmes, you will see that baptism and Holy Spirit are always together. Et le baptême et le Saint-Esprit sont toujours ensemble. It's together. C'est ensemble, en unité. But not just automatically together. Mais c'est pas automatiquement être ensemble. Jesus says, "Whoever asks will receive the Holy Spirit." Et Jésus dit, celui qui réclamera le Saint-Esprit la recevra. So at your baptism, you must ask for the Holy Spirit. Et au moment de votre baptême, vous devez réclamer l'Esprit Saint. You need to kneel down and pray strongly to receive the Holy Spirit. You need to kneel down and ask God strongly to receive the Holy Spirit. Vous devez vous agenouiller et demander à Dieu de vous donner le Saint-Esprit. Jesus was doing that. Jesus was doing that. Jésus le faisait. As he was baptized. Alors qu'il se fit baptiser. As an example for us. Il nous a donné l'exemple. He went into the water. Il est entré dans l'eau. And he came up again. Il est ressorti. And what did he do then? Et là, qu'est-ce qu'il a fait? He knelt down. Il s'est agenouillé. And he prayed. Et il a prié. A prayer which heaven never heard before. Une prière dont je n'ai jamais entendu auparavant. He prayed earnestly. Il a prié d'une manière profonde. And the heaven opened. Et les cieux se sont ouverts. And the Holy Spirit in the form of a dove came upon him. Et l'Esprit est descendu sur lui. Do you understand? Est-ce que vous le comprenez? It was not automatically. Ce n'était pas automatiquement. At your baptism, it was not automatically. Alors qu'il s'est fait baptiser, ce n'était pas automatiquement. If you have been baptized as the people in Acts, et si vous vous faites rebaptiser comme les gens des Actes, but you never thought about the Holy Spirit, never asked for the Holy Spirit. Ils étaient en train de demander de l'Esprit Saint, étaient remplis de l'Esprit Saint. The Bible is inviting you today to be rebaptized again. La Bible nous invite à nous faire rebaptiser encore. Look, I would like to end with this story in Matthew 25, verse 31 to 46. J'aimerais conclure avec une histoire qui se trouve dans Matthieu 25. And that's a very powerful Bible verse because the Bible says we need sheep today and not goats. Et la Bible nous dit que nous avons besoin des brebis et non pas des boucs. You know, there are two types of people described in Matthew 25, verse 31 to 46. Et nous avons deux types de personnages décrits dans Matthieu 25, le verset 31 à 46. If you look into the Bible, you can see that there's totally different. Et si vous regardez à travers la Bible, vous allez voir une différence. The pastor is coming and he's separating the goats from the sheep. Le bon berger est en train de venir et sépare les boutons d'avec les boucs. And to the sheep, Jesus says, come to me, your blessed one. Et aux brebis, Jésus va dire, venez, vous êtes bénis. Jesus says, I was hungry and you feeded me. Et quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. I was thirsty and you gave me something to drink. Quand j'avais soif, vous m'avez donné quelque chose à boire. I was a stranger on your island and you visited me. J'étais étranger sur votre île et vous m'avez visité. You gave me a safe place to stay. Vous m'avez donné un endroit sécurisé pour habiter. Jesus says, I was naked and you gave me clothes. Jésus va dire, j'étais nu mais vous m'avez revêtu. I was sick and you visited me. J'étais malade et vous m'avez visité. I was in a prison and you visited me. J'étais en prison et vous m'avez visité. And then the people, the sheep say, but Lord, when did we do that? Et là les brebis vont dire, quand l'avons-nous fait? And Jesus says, whatever you have done for the smallest,
Et Jésus va le dire quand vous l'avez fait à l'un des plus petits de mes frères. You have done it for me. Vous l'avez fait à moi. And then the other ones. Et nous voyons l'autre catégorie. The goats. Les boucs. But it calls in the Bible the male. It's called the buck or the buck. The buck, qui veut dire aussi le mâle qui ont des cornes. With big horns. Yeah. And dangerous animals. Et sont des animaux très dangereux. No visitation. Pas de visite. No feeding. Pas de nourriture. No clothing. Pas de vêtements. No praying for the sick. Pas de prière pour les malades. Everything is only theory in their mind. Tout est théorie dans leur pensée. And Jesus says, go away, I don't know you. Et Jésus va le dire, retirez-vous de moi quand je ne vous ne connais. Do you see there is a difference between a sheep and a buck or a beck? Yeah. I don't know. Et là, vous voyez la différence entre la brebis et le bouc. When I went to my grandma, quand je rendais visite à ma grand-mère, my uncle, he had goats and bucks. Il avait des cabris aussi, des boucs. And it was quite dangerous. I was small, 10 years old. Et c'était vraiment dangereux, j'avais 10 ans. And I went inside the goats. Et j'allais agacer les boucs. Little Chris with a stick. Le petit Chris avec un bâton. And they said, Chris, if you go inside, be careful. Et là, ils m'ont dit, Chris, si tu vas avec eux, sois prudent. So I went with my stick. Et là, j'étais avec mon bâton. Little Chris. Petit Chris. And then I gave them some food. Et là, je leur donne un peu de nourriture. And I did this. Et là, j'ai fait ce geste. Because they told me, never turn your back to the goats. Et ils m'ont dit, ne tourne jamais le dos à un bouc. Because the male goats, the bucks, they are coming and bam, they hit you. Parce qu'ils pourront vous blesser avec leur corne. As soon as you turn your back on them, poof, they are aggressive. Au moment dont vous tournez le dos avec les boucs, ils sont très agressifs. So I went like this. Et là, j'ai fait ce geste. Open the door. J'ai ouvert la porte. And I went out. Et là, je pars. But one day I went in. Mais un jour, lorsque j'étais là-bas, gave them some food, je leur ai donné un peu de nourriture, and I turned around. Et je me suis tourné. And as soon as I turned around, poof, he was hitting me. Et aussitôt que je me suis tourné, il m'a rentré dessus. That's the nature of a goat. C'est la nature. Wherever you turn around, à chaque fois que vous avez le dos tourné, they talk about you badly. They hit you in your back. Ils font ils disent des ragots sur vous et vous poignote dans le dos. The sheep have the character of Jesus. Les brebis ont le caractère de Jésus. They are loving, acting, humbling, working, loving, following, spiriting, baptized, dedicated, meek, peaceful, and serving others. Ils sont aimants, bienveillants, humbles, travaillent dur et ils suivent Christ. Ils ont l'esprit, ils sont baptisés, ils dédient leur vie et sont des gens de paix. The goats are different. Et les boucs sont différents. Legalistic, ruling, outward shine, immoral life, pornography, unfaithful, always discussing, proud, boasting. People pleaser, aggressive, not standing for Christ, full of fear, and they love power. Et les boucs, ce sont les gens légalistes qui aiment les règles. Ils sont immoraux, ils aiment la pornographie, ils sont toujours en train de se bagarrer, ils sont fiers, ils sont arrogants. Et ils aiment qu'on ait peur et aiment le pouvoir. I have a question to you. Ma question pour vous. What do you want to be? Qu'est-ce que vous voulez être? A goat? No. A sheep? Bouc ou brebis? A sheep? Sheep. Who wants to be a sheep? Me. You want to have a sheep? Life? Est-ce que je veux voir les mains de ceux qui voudraient être des brebis? Would you like to have the Spirit of God in your life? Est-ce que vous auriez voulu avoir l'Esprit Saint dans votre vie? That's a different life. C'est une vie différente. Because the Holy Spirit is so powerful. Parce que l'Esprit Saint est tellement puissant. He's loving. Il est aimant. He's meek. Il est tendre. But he's also very powerful. Et il est aussi très puissant. If you decide tonight to let the Holy Spirit in, si vous voulez laisser entrer le Saint-Esprit, he will change your life 180 degrees around. Il va changer le cours de votre vie à 180 degrés. I have a question to you tonight. J'ai une question pour vous ce soir. Are you tired? Est-ce que vous êtes fatigué? Of playing to be a Christian? À faire semblant d'être des chrétiens? Would you like to be
a full spirit, a filled spirit Christian? Où vous voulez être un chrétien rempli du Saint-Esprit? Jesus changed millions of lives. Jésus a changé des millions de vies. He can change your life today. Il peut changer votre vie ce soir. Jesus has the key. Jésus détient la clé. You would like to let Jesus open your heart? Est-ce que vous voudriez que Jésus ouvre votre cœur? That he and the Holy Spirit can come in. Afin que lui et son Saint-Esprit puissent y habiter. Tonight I would like to make a special call. Et là ce soir, j'aimerais faire un appel spécial. Would you like to change the church in Mauritius? Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait un changement dans les églises à Maurice? Not only the numbers. Pas seulement le nombre. But yourself. Mais changez vous-même. Because you don't want to be any more ever a goat. Parce que vous ne voudrez plus être un bouc encore. You want to be filled by God. Vous voulez être rempli de la présence de Dieu. Because of that, I would like to ask you. Et j'aimerais pour cela vous demander. For all those who understood the message tonight. Pour tous ceux qui ont compris ce message, le message de ce soir. For all those who want to be changed from their nature. Ceux qui veulent changer leur nature. For all those of you who are longing to have fire, not only in the church, but at home as well. Et ceux qui veulent avoir du zèle, non seulement pour l'église, mais dans leur vie également. I would like you to come forward. J'aimerais vous inviter à venir devant. And make a decision for Christ to be filled. Et prendre une décision avec pour Christ. With the Holy Spirit. Et d'être rempli avec le Saint-Esprit. Who says tonight? Qui c'est qui dira ce soir? I go forward for Christ. J'irai de l'avant et je me tiens debout pour Christ. Stand up and come forward to me. Mettez-vous debout et venez de l'avant vers nous. So that we can have a special prayer for you. Afin que nous puissions faire une prière spéciale pour vous. Jesus is calling tonight. Jésus vous appelle ce soir. To make a change today on the island of Mauritius. D'accomplir un changement sur cette île ce soir. Not because we have the power. Non parce que nous avons le pouvoir. But he is ready. Parce qu'il est prêt. To pour out his Holy Spirit upon you. De souffler son Esprit Saint sur vous. And this is not just a call. Et ce n'est pas juste un appel. This is your answer to God that he has the right to change you et from today. La réponse dont vous faites à Jésus parce qu'il a le pouvoir de vous changer aujourd'hui. To make you free. De vous libérer of all your sins, de tous vos péchés, to change you, de vous changer and give you his love into your heart. Et vous donner son amour dans vos cœurs. Come Est-ce que forward. Vous êtes prêts pour cela? Venez. Come forward and make the decision tonight. Prenez position pour Jésus. Is there anybody else who wants to come forward? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait s'avancer? The promise is for you. La promesse est faite pour vous. Whoever Jesus makes free, he is free. Et ce que Jésus rend libre, il est libre. Maybe you have been fighting with yourself. Peut-être vous avez un combat en vous-même. For a long time. Depuis très longtemps. And you never got the victory. Et vous n'avez jamais remporté cette victoire. But with Jesus and the Holy Spirit. Mais avec Jésus et l'Esprit Saint. It can happen. Cela peut se produire. Shall we pray together? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Anybody else who wants to come forward? Quelqu'un d'autre qui voudrait s'avancer? Make the decision tonight. Prenez cette décision ce Slip soir. Slip out of your seat and come forward. Sautez des rangs et venez. Even though during the prayer, you can come forward. Même à travers, pendant la prière, vous pouvez venir devant. And it doesn't matter if you're sitting in the technical room, wherever you are, come forward. Ce n'est pas un problème, même si vous êtes à la technique, venez devant. So that you give Jesus the promise and the possibility that he can work on you from Afin now. Que vous laissez Jésus travailler, vous donnez la possibilité à Jésus de travailler dans votre vie. Shall we pray? Est-ce qu'on peut prier? Heavenly Father, notre Père qui es aux cieux, thank you so much. Merci infiniment. That we don't need to do it alone. Alors que nous ne devons pas le faire tout seul. You said, I will send the Holy Spirit who will be next to you.
Et tu l'as dit, je vais envoyer le Saint-Esprit qui sera à côté de vous. Who will encourage you and accompany you. Qui va vous encourager et vous accompagner. We know from your word that the Holy Spirit was creating even the world as at the beginning. Et nous savons qu'à travers la parole que l'Esprit Saint a créé le monde dès au commencement avec toi. And we know that the Holy Spirit can create in us a new being. Et nous savons que l'Esprit Saint peut créer un être nouveau en nous. Here we are, Jesus. Nous sommes ici ce soir, Jésus. You see those who came forward or coming forward at that moment. Tu vois tous ceux qui sont se sont avancés pour ont pris position pour toi en cet instant. You have the right to work on them. Tu as le droit et l'autorité de travailler en eux. Breathe on them. Souffler sur eux. Make a new creation out of them. Qu'ils soient des créatures nouveaux. Deliver them from Egypt. Délivre-les de l'Égypte. And bring them into the promised land. Et emmène-les dans la terre promise. Change the church through these members. Qu'il y ait un changement à travers cette église et ses membres. Change the church through these visitors. Qu'il y ait un changement à travers l'église, à travers ses visiteurs. Jesus, we confess our sins of being flesh Christians so long. Et Seigneur, nous venons confesser nos péchés et d'être des chrétiens que par la chair pendant très longtemps. But we don't want to live that anymore. Mais nous voulons plus vivre selon la chair. We don't want to play religion. Nous ne voulons plus faire semblant d'être religieux. We are eating the true word of you. Nous voulons nous nourrir de ta vérité, de ta parole. And you say the miracle will happen. Et tu as dit que les miracles se produiront. In you, Jesus, we trust. En toi, Jésus, nous avons cru. Amen. Amen. Oh,
je puise ma force de toi.